Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que vous avez une information sans problème. Monsieur Ariel Fulmay là, nous les peuples là dans Paris, cap chercher. Yon pays décent qui pa gen conseiller qui pa ton sa la fait. Après toute semaine, pays a bloqué dans mes Ariel. On pa monte, en bas pa descend, l'état pa fonctionné, privé pa fonctionné, tout bagay bloqué. Nous pensons que si Ariel pa yon grand moun sans honte, l'État doit remettre des missions. Nous convoquer la presse pour nous dire, pour nous faire connaître, bataille ça, nous allons prendre l'autre dimension, nous allons passer à vitesse numéro 2. Parce que nous, ouais, nous sortis, Ariel va comprendre Barayo, et que Barayo qui même arrive dans nos oreilles, nous, ici, il dit, je vais être petit monde. Qu'est-ce qu'il a? Comme nous connaissons nous-mêmes, nous ne pouvons pas battre contre la population. Ce n'est pas la déclaration Ariel là qui fait nous battre la grève. Mais nous sommes toujours battus pour la population vaquer avec l'occupation. Pour 2-3 jours, nous toujours baillons pour acheter si bagaille, mettre la caillou. Parce que dans un jour, cap vin la yon, bagaille la balle plus mauvais. Comme si nous ne pouvons pas copier nous sur le sol là, nous ne pouvons pas mettre pied nous à terre. Nous ne pouvons pas mettre pied nous à terre pour nous faire tout pour nous comprendre. Victoire, c'est pour le peuple. Ce n'est pas pour Ariel. Peuple, par contre, perd une bataille. Ariel, pas recevoir un vote, dans le peuple haïtien. C'est la combinaison. Il mettait Ariel. Pour venir faire élection, pour voler l'élection pour eux, pour tuer Jovenel. Et nous disons ça clair à tout nègre qui a supporté Ariel, qui mettait Ariel là. Depuis aujourd'hui, nous parlons les oreilles Ariel pour nous dire démissionner. Nous connaissons jusqu'à présent. Nous avons un rêve nous pour nous venir poser candidat encore. Nous ne pouvons pas mettre pied à Ziboni. Et nous avons demandé avec le ministre de la Défense, là, qui est Nèg Gonaï, et Nol Joseph. Nous avons demandé avec le magistrat Donald, qui est une victime, tout le monde connaît. Jusqu'à maintenant, il y a l'argent qui a baillé dans le prince, mais il ne s'est pas rendu dédommagé de ça que les Belges. Je demandé avec le délégué, comme Simon Villa, tant pis, si nous ne voulons pas couler avec le bateau Ariel, faire la démission. Nous avons 48 heures de temps pour nous remettre démission. Après ça, nous-mêmes nous couler avec le bateau. Le bateau Ariel, il est penché. Il est penché. Il est pour le couler. Et tout le monde qui va le couler avec le bateau Ariel, là, qui connaît nous, qui a un avenir politique, démissionné, qui est Ariel pour le comme si grand monde. Vous connaissez le Alzheimer. Chaque samedi, il est oublié. Et nous demandé avec la population, dans tout coin dans le pays, comme nous débattons, barricade,
ou avenir nous monter avenir nous bio KPDL. La Gonaïve, dans la Tibonite, le Grand Nord, barricade nous à côté bio. Et c'est malheur au monde qui vient débarrer, c'est malheur au monde tout qui vient nous tirer parce que c'est nous-mêmes même qui banons comme avenir. Et nous disons encore, rap connaît, chaque connaît, balk maïa arrêté là. Plan qui va le déclencher là, pour mettre Ariel à terre, nous guettons signé. Qui soit capable? Béni force en Haïti. Puis gros bénéficiaire là. C'est pour le secteur privé des affaires. Donc, normalement, c'est pour le gouvernement oui, et le secteur privé des affaires, madame, monsieur. Et puis c'est le peuple qui a payé. On garde l'autre aspect à madame, monsieur, la question de sécurité. Est-ce que ne pas ouais que la justification pour qu'il y ait une force militaire en Haïti, ou bien son justification fabriquée? Comment ça? Ou elle fabriquée? Ah, mais répétez un bail, non, la mounio, non, qui est ça? Ou pas un collègue après, non? Et là? Pas fait pas comme ça. Non, elle va venir là, non? Pas fait pas comme ça. Ah, ok. Pas fait pas comme ça. Quoi est son justification pour nous? Faut force venir là, en Haïti, madame, monsieur. Pour seulement sécurité, pour seulement gaz. Bah, mais son force pour ça, non? Mais là, il y a ajouté choléra. Pas ça va finir dans le pays, hein? Et puis, je suis matin, le tourné, ça y est. Non, il n'y a pas tourné, le tourné. Le choléra tourné. Ah, ben voilà. Mais on mourit, il peut nous faire. Tenez, mon frère. Tenez, mon frère. Mon frère. Quand est-ce qu'on a raté? Nous t'entendons parler de choléra dans le pays, choléra tourné. Mais comment choléra t'es fait dans le pays? Alors, papa, c'est un questionnement, il peut se le croire. Un questionnement. Oui. Choléra tourné. Et quand est-ce choléra sorti? Le ministre. C'est d'où matière fécale, ça me dé la Tibonite, tu de petit vers la Tibonite, je me garde. Moi, d'où ma vide, je vais vider matière fécale, de la rue même. Ministre Calvide, d'où matière fécale, dans rivière, dans fleuve de la Tibonite, de la m'a gardé tout ça. De la zone, dans le pays, après, je me dis, nous, là, ça me dé candidat au Sénat. Je me dis, nous, viens garder ça, blanc, et puis, il a jeté, poupou, dans fleuve de la Tibonite. Madame, monsieur, deux jours après, pendant que je suis naïf, je suis couru dans l'hôpital Saint-Marc, l'hôpital Saint-Nicolas, je suis porté sous garde, quatre mourir dans la choléra, madame, monsieur. Donc, la choléra en green matin, il tourne. Je ne dis pas que c'est une choléra, non? La choléra tourne en green matin. Et je suis regardé dans toutes les marchés, dans toutes les KDC, choléra, insécurité, et puis question de distribution de gaz. C'est une justification qui est donc fabriquée. Mais regardez le discours, vous voyez. Discours. Secrétaire d'État, secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres. Discours, en fait, le tweet de Ronnie Gonzalez. Discours à Henri devant tribune des Nations Unies. Discours à Henri après les Nations Unies. Tweet, interview, ambassadeur canadien sous Magic 9. Dernier discours à Henri. Où est-ce que tout semblé? Il faut monter le dossier. Il faut monter le dossier. Et de fait, le dossier est monté, madame, monsieur. De qui ça a parlé là? Ça dit que aujourd'hui, hein, Haïti pour nos complots. On a seulement Haïti pour connaître qui est la politique de tête la donne. Parce que ça qu'il a capable de résoudre. Moi, je dis nous comment il a résoudre. Il faut nous avoir très peu de monde qui a parlé et qui a vu la proposition. Il y a très peu de monde qui a parlé et qui a vu la proposition. Et monsieur, secteur privé, monsieur, prends responsabilité. Comme je ne vais pas nous mentir, même nous avons un gros service. Nous avons un gros tonton service parce que. Mais dis-nous tout haut comment peuple a pensé tout bas de nous. Qui j'ai opinion ouais nous. Bataille là tout pour nous connaître son bataille. Meuse, Bossin, Bijo, que lié. La question droite, la question pas. Comment on a fait ISO, lui contrôle les gangs canadiens, et puis pour l'attaquer la FIDO. C'est parce que pour l'amener la FIDO lié. Comment bien? Pour l'amener la FIDO lié, madame, monsieur. Donc, Gangana, hein, c'est pour empêcher que trailer, conteneur, rentrer et sortir de la phyto. Mais donc, c'est un bel bagage. Moi, je suis bravo, je me demande que je suis là pour René Max Auguste qui a vu un candidat à la présidence. C'est un bel bagage.
et m'encourage parce que qu'on y a tout pour nous clairement que nous sommes leaders politiques. OK? Nous sommes leaders politiques, nous fouettons tête nous dans la politique et que nous défendons votre moi. Nous défendons l'intérêt nous. M'encourage ça. M'espère que ça me gagne comme façon ses alliés. OK? Parce que ça, qui l'a comme situation, écoutez, si c'est le secteur privé qui a changé, et pourquoi pas? Si c'est la valance qui a changé le tout, pourquoi pas? Si c'est AA qui a changé, pourquoi pas? Sauf que je dis, la population, il n'y a pas de quoi. J'ai le calé, qu'on est exactement côté le bras, côté le doigt, et tout, madame, monsieur. OK? Et dans toute discussion qui vient là, moi-même, je regarde, on qui est le problème là, Esaïe, Fridjian. Fridjian, ancien gouverneur là? Comment Fridjian? Mes amis, ancien gouverneur Banque Centrale. Comment le café qui était au traîner pour le signer quoi? La caille non apostolique. Avec deux nègres dans le secteur privé. Il n'y a pas de problème, nous sommes encore. Parce que si vous ne cherchez encore, nous cherchons encore. Mais nous ne pas capable de dire que chercher encore en battable avec 10 ans de équipe. Je dis à Fritz, j'ai perdu toute crédibilité dans le monde. Il n'y a pas de l'autre nom de sous la blanche là. Laurent Saint-Cy. Ah bon? Oui. Son monde secteur privé va garder qui est capable de mettre le sous la blanche. Pour une négociation, jusqu'à présent, ce n'est pas une mauvaise chose, madame, monsieur. Et bon, mauvais bagaille. Mais si nous avons fait pays, monsieur, nous ne pouvons pas faire un petit intérêt pour nous, pour nous faire pays qui a tout fait. Il faut nous mettre tout le monde ensemble, il faut nous faire partie de table avec un paquet d'autres monde, un paquet d'autres représentants de secteur. Pour nous retirer dans ce niveau-là. Ça qui là, son faux problème, et je le dis chaque jour, son problème, question insécurité, son faux problème. Comment nous tirons ça pour nous dire qu'il y a ça qui a résoudre? Avant que les blancs viennent dans le pays, nous sommes sous ça. Ça, c'est un faux problème lié. Haïti n'a pas besoin de forces étrangères. Des fois, nous disons que les Haïtiens nous prennent 3 fois ou 4 fois déjà. Il faut nous dire que nous ne pouvons pas prendre encore. C'est en 2017, le ministre a quitté le pays après 13 ans. 5 ans après, nous avons tourné une force militaire encore. Mais moi, je dis non. C'est pour chaque monde qui a une responsabilité dans le pays. Écoutez, madame, monsieur, une force militaire spécialisé, ça a un coût. Ça a un coût. Du temps de Jovenel Moïse, je ne sais pas si je connais. Je dis à vous résoudre le problème de sécurité. Vu que monsieur qui baille gang yo zam yo, États-Unis pas fermé pour là. Il pas mettre aucun contrôle là car il pousse à rentrer dans le pays. Le rivin va être son complice tout. C'est donc même je dis à vous pas un problème avec Haïti. Yo ouvre frontière pour faire zam travailler dans le pays avec munitions. Ils sont complices tout. OK? Mais je dis à madame, monsieur, comme gang yo, tout le monde perd du contrôle yo. Quel autre pays qui fait lui? N'a pas engagé une agence spécialisée en sécurité de haut niveau. N'a pas engagé une agence spécialisée en sécurité de haut niveau. De près d'une vingtaine qui existait aux États-Unis d'Amérique. Vous n'avez pas voulu prendre une agence qui en Russie, même genre le Mali fait là. Mais ou capable prendre une agence qui aux États-Unis d'Amérique qui gagne des professionnels qui viennent là qui font prix avant sur marque à couteau attendez madame monsieur sur marque à couteau entre 4 millions à 10 millions de dollars américains pour 2 ans. Attendez bien madame monsieur. Mais ça pour négocier là oui. Et ça c'est écoutez, vous pas besoin blanc non pour ça. Parce que c'est sécurité vous mettez la caillou. Engageons une agence spécialisée en sécurité de haut niveau. Qui sont aux États-Unis? Juste pour pas une question, pour répondre question pour répondre, parce qu'on va prendre qui sont la Serbie, qui sont la Russie, qui sont peut-être l'Afghanistan, pour répondre à question ça. On prend aux États-Unis d'Amérique, madame, monsieur. La coûte entre 4 à 10 millions de dollars pour 2 ans. Alors, madame, monsieur, pour qu'on paye, pour payer avec 10 millions de dollars américains, pour les problèmes de sécurité dans le pays. Mais n'est-ce que fait que ce boulet là, 3 milliards de gouttes. 3 milliards de gouttes américains, chef là. Voilà, c'est 3 milliards de gouttes. Milliards, sans pas qu'elle dise au lieu. Parce que je m'en suis téléphoné au Gabonais. Bon, regardez-vous. 3 milliards de gouttes. Ok, madame, monsieur, entendez. Mais n'est-ce que vous faites gaspiller 3 milliards de gouttes là. Gaspiller, n'est-ce que vous mangez 3 milliards de gouttes. L'argent passe dans FAS, il passe dans l'affaire sociale, il passe dans CAS, il passe dans PNCS. Plus qu'on partit dans la primature. 3 milliards de gouttes, madame, monsieur. N'est-ce que vous faites bouler dans le pays là. Vous faites manger comme ça. Comment ça fait 3 milliards de gouttes, madame, monsieur. 600 millions de dollars haïtiens. 600 millions de dollars haïtiens.
Madame M. Tadéry, 600 millions de dollars haïtiens. Ou divisez par 5? Oui, divisez par 5, good là. Non, fait divisez par 129. Ah, divisez par 129. Ah, mais mettez par 129, ouais, comme la balle en US. Nous, nous faisons 10 millions de dollars, madame, monsieur. 10 millions de dollars pour nous engager en film. Ok? Il y a une agence de sécurité spécialisée. Ok? 4 professionnels. 4,651,162 gouttes. 4 millions. 3 milliards de gouttes, ça, au lieu de prendre un gagot, tu peux manger là. Vous n'avez pas de bail, on compare une sécurité, on achète une sécurité pour un an. Alors, le problème qui est là, avec gang, vous avez besoin d'un poulet soudain. Maintenant, même l'argent que les États-Unis vont dépenser, nous avons oublié de parler, nous avons parlé avec nous l'autre jour. On fait ce qu'il y a là, ça a été payé, lui. Oui. Puis, quand même, ce qu'il y a là, c'est comme américain, non? Ça a été payé, c'est sur le rapport comme là. Pour ça comme ça, Haïti a contribué dans la donne. Normalement, mon cher, pour ça comme ça, nous ne disons nous jamais que faut-il que la merci beaucoup. Ce bagage, nous avons la chance là, c'est lui-même qu'on a pris pour venir là. Ou le cas de l'agence multimillionnaire, monsieur Laos, qui t'a proposé pour. Correct, madame, monsieur. Aussi simple que ça, madame, monsieur. Nous avons fini avec avion, hélicoptère, drone, chat. Tout ça qu'on est au besoin pour destituer quelqu'un dans le pays. Et M. Zedi, dans 3 mois, il se posait. La hausse, responsable de compagnie sécurité, ça. Il a dit qu'il a gagné. Il a gagné 3 mois pour résoudre le problème. 3 mois. Comment vous dites, monsieur? Nous n'avons pas besoin de technologie de blanc, force étranger. Ça, jamais, jamais, jamais. Que n'est-ce que le secteur privé va payer en chance? Que Bidjo Meuse. Bon, ça va bien en chance. Que le gouvernement prenne responsabilité, madame, monsieur. Nous avons besoin de forces étrangères dans le pays. Que le gouvernement, aujourd'hui, assure l'engagement en agence internationale en sécurité professionnelle okay, pour résoudre le problème dans le pays, madame, monsieur. D'après nous-mêmes, États-Unis, par contre, pour que ça ait une agence comme ça aux États-Unis. Et nous travaillons tous côtés sur la terre. Et qui travaille aux États-Unis, besoin, l'armée américaine va le faire. C'est eux-mêmes, aux États-Unis, vous y allez. Jovenel Moïse, est-ce que vous songez? Jovenel Moïse, c'est un petit contrat avec 3 là-dedans, avec une agence qui voulait 3 d'excellement. Madame, monsieur, on va en information. Information! Information! Jovenel Moïse, madame, monsieur, tu as fait contrat avec une agence de sécurité qui voulait 3 nègres, 3 blancs. Et nègres, la police, comme ça. C'était 3 blancs, ça y est, qui t'a délogé, petit macaque. Vous savez, les amis, dans boutique, non, Taras, première coopération. Vous avez vu que vous courir, vous avez dit que c'est les Canadiens, c'est les mercenaires. Non, il n'y a pas de mercenaires. Je n'ai pas payé 90 000 dollars, madame, monsieur, pour moi. 90 000 dollars américains pour moi. 3 nègres finis. Vous avez une formation avec les policiers qui décident. Vous montez en task force. Vous sont en task force, ça. Ok? Et puis, Nego te fait première opération, donc la boule, ta gaz, en face, ti macac. Et te nek sa ou. Vous avez fait une balle de force. Naturellement, c'était Vladimir Parizon. Oui, justement. Il était sur l'obédience, Vladimir Parizon. Oui, mais c'est Nego te venu qui fait que te venu mettre ta force à sous pied. Et Nego te fait partie de ta force à tout. Ok. Et ça va te dire que la boule, tout le monde dit, regardez, blanc, t'es blanc, américain, t'es blanc, canadien. Oui, c'était toi, Nego te. Nous sommes dans le gouvernement après ça, et puis nous avons joué un irresponsable. Et puis, nous avons dit, pour résoudre ton problème ou déplacer le problème, non? Je dis, écoutez, madame, monsieur, si en 2017, le ministre est allé, en 2022, nous prenons notre force étrangère, ça ne va pas passer dans 5 ans après. Donc, chaque 5 ans, Haïti a pour force militaire, a pour intervention, c'est quoi ça? Maintenant, que nous allons rester sur nous pour nous résoudre ça? Que nous allons rester sur nous, madame, monsieur, pour nous forcer le pouvoir qu'il a, donc, résoudre le problème, madame, monsieur. Il n'est pas capable de résoudre avec une force militaire. Jamais, il n'est pas capable. Ça fait me dire que la population a une grosse responsabilité pour violer le diable. On doit échouer. Grosse responsabilité. Ok? Donc là, je pense que nous clair. Et nous avons une proposition sous table. Mais même papa nous mentir. Ici, hein? Pourquoi dire ça le matin débat? Même temps, nous n'avons pas qu'à parler. Là, ben, non, pas comme ça. Écoutez, c'est 23,255,813 dollars. 3 milliards de dollars? 3 milliards de gouttes? 3 milliards de gouttes. Attendez, madame, monsieur. 23 milliards, okay. 23 millions. Attendez.
23,255,013,000 Mais gouvernement sont gagotés. US. Mais gouvernement sont gagotés 3 milliards de gouttes qui représentent 23 millions. 23 millions de dollars américains. Ouais. Oh, nous besoin 10 millions pour deux ans nous engageons en agence en matière de sécurité professionnelle. Et bien, méchanceté. Jusqu'à vous n'avez pas de rapport sur 3 milliards de gouttes là. Jusqu'à vous n'avez pas de rapport sur 23 millions de dollars. Le Sénat, comme co-dépositaire de la souveraineté nationale, mm-hmm. pas supposé être dans une logique démarche yeah. pour demander des forces étrangères. Mais cependant, cependant, moi-même, comme Premier ministre, m'a fait des marches avec certains membres du Sénat. Ok. Matin, après-midi, il fait midi et 21 minutes. Papa ici, on a pris une décision ensemble. Et nous avons possibilité pour parler matin, après-midi, dans l'émission Matin Débat. Sous décision à prendre ensemble. Nous, clés ici, hein, et nous toujours gardé ça qu'on peut pays. Nous conseillé Dr. Ariel Henry à toute ministre pour considérer la résolution Sénat pour tourner sous décision. La belle. Ma belle était pour nous encore. Ma belle était pour nous encore. Nous conseillé. On a Ozo, bail possibilité, Ozo, Suzanne Grandance. Très bien. Et bail parce qu'il y a un gros accident fait dans le monde qui est victime dans l'accident. Le monde qui a un barricade à mettre dans la zone, bail ambulance passé. Bail ambulance passé pour que vous capable de gérer la question. Amaline, font un coup d'œil, font un coup de jet pour nous dans Grandance. Ou dans Ozo, spécialement dans Ozo. Pour regarder exactement et comment ça y est. Et nous demandé pour que l'ambulance passe à capable de chercher Mounio. Très bien. Ok. Nous avons une décision ce matin. Parce que même ce pays que nous gardons. Nous avons demandé pour Dr. Ariel Henry avec toute ministre. Considérer la résolution Sénat pour lui tourner sous décision. Mandez le Canada. Une fois encore, faire le nécessaire. Voyez l'équipement que Haïti te commande pour renforcer la capacité de la police. Voilà. D'accord, bonnet. Aïe, aïe, aïe. Voilà, d'accord, bonnet. Ok. Le on pas d'accord, on pas d'accord. Pas de problème. Ok. Mandez le Canada faire le nécessaire. Voyez l'équipement que nous te commande pour la police. Il ne faut pas gagner de magouchi. Ok, non, c'est de magouchi. Il ne faut pas gagner de magouchi. Le monde qui a pu proposer nationaliste. Ça fait deux. Troisième bail là que nous demandé à Ariel Henry pour le faire. Dégagez-le, combien de Jean-Jacques? Jouez-nous 10 millions de dollars. Bon, même besoin 10 millions de dollars. Jouez-nous 5 millions de dollars. Engagez une agence internationale en sécurité professionnelle pour venir résoudre le problème de sécurité automatiquement dans le pays. Nous avons Maline. Nous avons Maline, souligne. Troisième barrière, madame, monsieur, n'a pas demandé Dr. Ariel Henry. Cherchons jouez-nous 10 millions de dollars. Vu que 3 milliards de dollars nous sommes gaspillés là, 3 milliards de dollars, ça fait 23 millions de dollars. Si nous avons 3 milliards de dollars dans la caisse de l'État, madame, monsieur, on nous cherche 10 millions de dollars et puis engager une agence spéciale en sécurité professionnelle aux États-Unis pour venir résoudre la question de gang dans le pays. Pour que ça ZAM, pour que ça équipe au Canada, yo? Pendant que l'agence spécialisée en sécurité a opéré dans la zone métropolitaine, et puis la police qu'on a, l'a opéré en profession côté qui gagne l'autre gang. Correct. Madame, monsieur, c'est que ça. Et puis le problème sera résolu. Ariel Henry, nous connaissons nous, Rabdiya, nous connaissons matin débat. Bon, mon proposition nous fait ça. Et là, nous avons nous, hein. Ok. Pendant que nous avons dit, nous avons faut nous avec une proposition. Mais matin débat, nous avons une proposition. Mais matin débat, nous avons une proposition. Ok. Avec un monde, nous avons fait ça. Ok. Si tu as lancé, l'adopté, pas seulement nous connaissons pas le gouvernement. C'est pas que nous ne pas le gouvernement. Nous sommes demandé pour Ariel Henry aller. Non. Ça va analyse pas ou aucune même quoi que je pas arrêté. Alors il pas arrêté et même si blanc vini, même si blanc pas vini, alors il pas arrêté dans pays. En fait, on nous a tout le coup. Clair. Est-ce qu'on connaît question blocage, mm-hmm. barricade l'obé, fait l'obé dans la rue, crise bagaille ça haut. Uh-huh. Est-ce qu'on connaît ça haut suscité, ça haut et provoqué vienne gagner ça haut la cause gagner plus gang. Ah bah le gagner plus gang. Ah mais ça pas assez. Espace là la police est occupée. OK. Nego vienne prendre le dessus sur la police. Correct. Mais 400 morts, tu as déjà vite l'homme. Oui.
monsieur Caleb Pétionville, t'es traqué, monsieur. Correct. Comment lui, madame, monsieur? Je dois dire que ça, c'est pour vous, qui est sous table là. Et moi, c'est que, en tant que monde qui sage, il a dû aller dans la route, ça, madame, monsieur. Et nous t'a saisi, ouais, qui j'ai un monde d'avoir le bateau pour aller dans la rue, avec ça, comme proposition sous la table. Écoutez, madame, monsieur, vous me dites, bagaille. Ouais, fait bagaille. Demande qui sollicite par le gouvernement haïtien auprès du département d'État et des Nations Unies. Alors, regarde pas ces deux troupes là qui viennent de matin. Alors, c'est Nations Unies. Oui. C'est pas département d'État. Non, il y a écrit département d'État tout. Ah bon? Oui, département d'État réagit. Il dit que les États-Unis ont étudié la possibilité d'analyser ces questions. Ouais, démarchant là, monsieur. Pas oublier qu'il y a une élection mi-mandat qu'a fait les États-Unis à la fin du mois de novembre. Ça dit que c'est pas une troupe que va envoyer par Ariel Henry, ni demain matin ni après-demain. Les gars, ils vont en Haïti en décembre ou en janvier. Et puis, pas oublier, ils vont prendre des marches à Ariel Henry au sérieux. Parce que deux semaines de ça, ils étaient devant le tribunal des Nations Unies. Ils étaient dit que tout est sous contrôle. Et puis, deux semaines après, pour dire que vous occupez parce que vous avez difficulté. Comment vous répondez au sérieux là? Ariel Henry, c'est mon frère. Pays n'a pas qu'à préoccupation. Pays n'a pas qu'à prendre force militaire. On a l'un ou de ça. On a engagé une agence spécialisée en sécurité professionnelle. Ok? Et puis, mandé le Canada pour l'équipement que nous demandons pour la pollution. Peut-être yo pas joindre bon gens soins à cause tout malnutrition avec maladie tuberculose, il y a à peu près 100 prisonniers qui mouri depuis l'année 2022 a commencé dans prison pays d'Haïti côté condition la vie prisonnier yo a aggravé chaque jour plus. C'est un ramassé réseau national cap défendre droit moun yo accent analyse à recherche dans droit moun yo. Gen 5 moun qui mouri l'hôpital sous 19 cas confirmé maladie choléra qui reparaît à Britsoukou commencement mois octobre 2022 dans pays d'Haïti sous 70 cas suspects, gain 135 qui couchaient sous cabane l'hôpital, d'après un ramassé ministère Santé publique dans 5 communes pays d'Haïti entre samedi 1er pour arriver samedi 8 octobre 2022. Ta gain une douzaine moun qui déjà mouri dans choléra sous yon semaine dans Cité Soleil côté gang examen toujours dans laisser frapper. L'état nécessaire pour ta gain yon couloir humanitaire dans commune pour empêcher plus moun traper choléra, c'est disons agent exécutif intérimaire Cité Soleil là Joël Janéus qui t'a parlé à Altea Press à Altea Radio. Dans le chapitre la santé, peut-être yon pas joué un bon gens soin à cause de tout malnutrition avec maladie tuberculose, il y a à peu près 100 prisonniers qui mourent depuis l'année 2022 a commencé dans la prison pays d'Haïti côté condition la vie prisonnier a aggravé chaque jour plus. C'est un ramassé réseau national cap défendre droit moun yo accent analyse à recherche dans droit moun. Situation prisonnier yo pas bon dit tout pendant dernier temps sa yo nan niveau prison yo sitou nan pénitencier national. En pile nan prisonnier yo mouri ak tuberculose, gen l'autre ki mouri ak malnutrition ou bien manke soin d'après Pierre Espérance ak Géléon Jean. Gen plus passé yon centaine nan prisonnier ki gen tan perdi la vie yo pendant l'année 2022 a. Dans dernier temps sa yo, nous tande un pile prisonnier kap fè intervention nan media depuis nan cellule côté ou ya pou y ap décrit situation yo pendant y ap dénoncé autorité pénitentiaire yo ki méprisé conditions difficiles qui gagnent dans prison yo tant qu'au grand goût manque soin santé à l'eau potable. Conditions prison yo principal facteur qui occasionne la mort dans plusieurs centres tant qu'au pénitencier national avec plusieurs lots dans pays. Gen 5 moun ki mouri l'hôpital sous 19 cas confirmé maladie choléra qui reparaît Britsoukou commencement mois octobre 2022 dans le pays d'Haïti. Sous 170 cas suspects, gen 135 qui couché sous cabane l'hôpital d'après un ramassé ministère Santé publique dans 5 communes pays d'Haïti entre samedi 1er pour arriver samedi 8 octobre 2022. D'après des comptes ministère, gagné dans commune Cité Soleil 70 cas qui enregistré, Port-au-Prince 84 cas, Pétionville 4 cas, Delma 9 cas, Mibale 2 ak Yonka nan kwa de bouquet. Toujours dans le chapitre la santé, ta gen yon douzaine moun qui déjà mouri nan choléra sur yon semaine nan Cité Soleil côté gang examen toujours nan laisser frapper. L'état nécessaire pour ta gen yon couloir humanitaire nan commune nan pour empêcher plus moun attraper choléra, c'est disons agent exécutif intérimaire Cité Soleil là Joël Janéus qui t'a parlé à Altea Press à Altea Radio. An koute Joël Janéus, capote plus de détails pour nous. Gagnant un phénomène qui a développé là sous bon, c'est phénomène question
choléra qui retournait encore. Effectivement, le retourné et commencer à frapper la population Cité Soleil là. Gagne environ une douzaine de monde qui mourit dans la commune là. Gagne 119 monde qui dans centre CTC de Douya pratiquement. Il y a un hôpital qui a été construit dans l'hôpital Souaf, dans la zone Brooklyn, qui a pris soin de monde là. Ça veut dire, et puis nous-mêmes, bon côté pas nous dans la mairie, nous avons sensibilisé monde, et puis nous avons fait froid médical pour nous capables de diminuer la question de maladie. Et pratiquement, nous connaissons ce qui s'est passé dernièrement là dans la cité, dans la commune, la quantité de monde qui était victime. Elle vient gagner dans chaque bloc yo donc question de va qu'on y a effectivement faut que travaille pour va ça ou ta éliminer et puis pour mon capable galon souffle pour tout côté jeune de l'eau traité pour au bois et puis pour jeune de l'eau utilitaire pour servir parce que gros problème de l'eau en bas ça fait me faire appel avec Dinepa pour question de l'eau yo et actuellement là gagne un camion de l'eau traité sous aide Dinepa avec la mairie n'a baï mon en bas. Et puis, on continue à faire frais médical, appel clinique. C'était agent exécutif intérimaire, Joël Janius. Dans le chapitre insécurité, situation tête en bas qui gagne dans le pays d'Haïti depuis plusieurs mois, c'est un plan bien monté, dirigeant politique pays d'Haïti, marinés à la communauté internationale là, depuis militaires étrangers, t'as retourné encore sous territoire national là, gagne une série poussée qui pas faite, c'est disons organisme gardien de l'homme qui mandé organisation Nations Unies dédommager victimes choléra yo dans le pays d'Haïti. En côté coordonnateur général gardien de l'homme, maître Robertson Apollon, qui a porté plus de détails pour nous. Nous même en DGDH, le retour des casques bleus. Parce que il y a un contentieux ouvert qui était entre les Nations Unies et le peuple haïtien. Ministère qui fait près de 10 ans là, il y a plus de 8 milliards de dollars qui boulaient le pays. Pour quel résultat? Parce que le ministère, c'était là, c'était force, n'est-ce pas, des Nations Unies pour la stabilisation du pays. Donc l'idée est pour stabiliser les institutions, pas politiques et autres, judiciaires et autres. En fait, 8 milliards, plus de 8 milliards de dollars dépensés, boulet là pour rien. Et comme conséquence, il y a une choléra. Il y a une choléra. Il y a un paquet de jeunes garçons pour nous. Ok, il y a un paquet de jeunes filles qui sont si moun nan men yo. Et pas gagné de vie. Nous, en GDH, nous devons réclamer à ce que les Nations Unies dédommagent les victimes de choléra. Et en guise de dommage, ou nous reconnaissons là, le fait que le pays est une vulnérable. Pas de institution, pas de bon système sanitaire, pas de bon potable, eh bien, ou est-ce que le virus, les bactéries, les apparaissent encore, qui fait aussi autant de dégâts qu'auparavant. Donc, en clair, nous rendons compte que c'est ensemble de loups-garous internes et loups-garous externes qui entendent pour sous ces 100 peuples-là, pour les haïtiens pas exister comme nation, comme peuple à part entière. Donc, c'est tout ça, nous, je dis à nous dénoncer. Ça a privé à là, on a dénoncé la situation privée à là, parce que ça a privé à là, son scénario, la communauté internationale et nos dirigeants nationaux, c'est qu'ils ont arrangé l'architecture pour l'arrivée. Parce que comme il y a un jeu là, si l'on tourne là encore, bon ben nègre là, tu n'as pas prison. Si l'on tourne encore là, bon qui ben nègre là, bon série de procès, tu n'as pas fait. Donc tout le monde a perdu. Donc pas de jouer. Et il y a une série d'étrangers qui participent à une marque de bande de pays et tout. Il y a un cas de procès, président Jovenel Moïse, en fait, enquête là-bas, je m'aboutis. Donc, il y a une série de pistes qui a tout détruit. C'était coordonnateur général gardien de l'homme, maître Robertson Apollon. Gouvernement de facto a continué par faire rien pour couper gang examio dans plusieurs quartiers moun pas suspend recevoir bal marron la caillou ak nan la kou la caillou moun pa gen droit circuler comme ça doit à cause menace gang examio kap tiré gros coup de zam sans garder derrière tout partout sur territoire national là depuis samedi 8 octobre 2022 moun la plaine t'est passé un mauvais moment à cause bal qui t'a chanté sans rité dans zone pleine quoi d'émission avec diverses autres zones qui environnent lieu ça qui était la cause gola pérez la caille population
La nuit avant du 17 pour entrer samedi 8 octobre 2022 à Gang Exam Village d'Idjia qui nan Sida Port-au-Prince passé sous la mer à partir zone Simonette nan Nord Port-au-Prince attaqué diverses installations Moulin d'Haïti pas trop loin Waf Lafitoa. C'est même gang criminel 5 secondes Village d'Idjia ça qui gagne nan tête li Izo qui te prend contrôle par la justice Port-au-Prince lan vendredi 10 juin 2022 gouvernement Ariel Henry te dit c'est pas vrai. D'après information nous rivé joine gang exam yo contrôlé presque toute littoral à Bay Port-au-Prince là côté qui gagne la donne port terminal gaz yo centre côté stocké produit la manjayo. Actuellement il est difficile pour moun al prend gaz dans terminal Varouan à cause gang exam qui gagne en tête li ancien policier Jimmy Cherizier qui gagne tin non barbecue ak groupe gang G9 en famille à Kaliel qui bloqué toute zone là. N'a rappelé à cause l'été nan incapacité pour li contrôler zone métropolitaine Port-au-Prince lan, yon conseil ministre bay premier ministre de facto a Ariel Henry autorisation pour li mandé yon assistance militaire étranger nan yon décret qui publié nan journal Le Moniteur vendredi 7 octobre 2022 a. Toujours dans le chapitre sécurité, 12 membres Congrès américain ont demandé président pays États-Unis Joe Biden prend sanction contre tout le monde qui n'a marre saucis avec l'agent à gang examio dans le pays d'Haïti. Bandi exam kidnappé dans date samedi 8 octobre 2022 à président directeur général entreprise Sam Ambulance lan Ralph Sénécal ensemble avec chauffeur li dans zone Gantier. D'après information qui est disponible, c'est à gang 400 Maozo qui t'a fait ça kidnapping ça. Département l'État américain mandé tout natif natal pays États-Unis yo cap travail dans ambassade américain Port-au-Prince lan parti quitter territoire Haïti. Département l'État américain dit li prend décision ça à cause qu'est sauté li gagné sous conséquence ratement gaz là avec gang exam qui bloqué passage lan dans centre stockage gaz Varouya dans cité Soleil et puis tout à cause épidémie choléra qui réparait encore depuis commencement mois octobre 2022 dans pays d'Haïti. Dans communiqué ambassade la mette de yo li rappelé citoyens américains yo Haïti toujours sous niveau 4 nan alerte sécurité yo côté yo mandé citoyens yo pas voyager. Dans chapitre politique mandé forces militaires étrangères débarqué encore dans pays d'Haïti pour venir goumen contre gang exam à contre choléra pas porter aucun résultat. C'est comportement méprisant gouvernement de facto Ariel Henry gagné sous doigt grand monde pays d'Haïti a li continuer pilonner en bas pied. C'est disons parti politique Rassemblement Social Démocrate pour Progrès pays d'Haïti RSD à la tête à parti ça pour ce Victor Benoît dit li condamné à toute force li décision ça. En côté professeur Victor Benoît qui a porté plus de détails pour nous. Oui, ils sont pas même pensé son abdication de la souveraineté internationale. C'est-à-dire son mépris de la souveraineté internationale. C'est-à-dire que mon cap dirigé pays dit que devant le monde entier, ils sont pas capables, ils sont impuissants, et puis ils sont les étrangers d'une occupée pays. Donc, position pas moi, condamner ça, je suis pas d'accord avec lui, parce que je ne pas penser sur aucune intervention étrangère ou internationale qui est capable de changer les choses en Haïti, d'autant que nous avons fait plusieurs expériences de ce genre déjà. Et à la veille de 1915, bon parti dans la dirigeant de Paris, qui était souhaité aux Américains de venir occuper le pays. Ils venaient occuper le pays en 1915. Moi, je pensais que on n'a jamais vu l'intervention étrangère ou internationale résoudre les problèmes d'aucun pays sur la Terre. Ça m'a jamais arrivé. Je pensais que c'est le peuple haïtien qui pour résoudre les problèmes. Comprenez? Aussi bien, nous reconnaître que nous avons besoin de l'assistance technique, matérielle, pour la police nationale. D'accord? C'était à la tête parti politique Rassemblement Social Démocrate pour Progrès pays d'Haïti, professeur Victor Benoît. Gouvernement pays États-Unis en discussion kounya avec gouvernement de facto Haïti a plus. Plusieurs partenaires internationaux pour faire une évaluation sous demande débarquement militaire étranger dans le pays d'Haïti d'après département d'État américain journal Miami Herald cité. Gouvernement américain dit l'a examiné avec autorité haïtienne et l'autre partenaire international façon capable faire intervention pour créer un couloir humanitaire, une façon pour capable rétablir distribution gaz là dans le pays.
D'après ça, médias américains fait qu'on est, yo condamné à toute force yo, monde qui continue bloquer distribution gaz là avec l'autre produit première nécessité yo dans pays d'Haïti. D'après déclaration, porte-parole adjoint principal département d'État Vedan Patel qui t'a parlé dans journal américain Miami Herald. Parti politique mouvement pour transformer ak pou bay pays d'Haïti valeur yo plus konnen sous nom MTV Haïti di retire kòl nan accord 11 septembre 2021 Ariel Henry an décision augmenter prix gaz la nan niveau plus passé 100% sous marché national la ak manque respect sak écrit nan accord 11 septembre 2021 c'est sak poussé parti politique MTV Haïti a ral kòl nan accord 11 septembre 2021 d'après sa di. Pour exercice 2022-2023, c'est Marie-Nel Tafitière, présidente, avec Pierre Volmar des Messieurs, président en appris qui soutient dans l'élection vendredi 17 octobre 2022 dans la Cour des comptes pays d'Haïti. Dans une note de publiée, la Cour des comptes fait qu'on est deux élus saillants soutient dans l'élection nouveau bureau pour l'année fiscale 2022-2023 qui fait dans la date 7 octobre 2022 pendant une séance extraordinaire qui a été organisée. Amérique latine, 4 migrants vénézuéliens mouri et puis 17 l'autre monde parmi yo 16 vénézuéliens et puis yon équatorien blessé samedi a nan yon accident sous route nan pays Honduras d'après ça la police fait konnen. Yon camionnette qui était trop chargé perdi contrôle et puis l'al tombé nan yon ravine nan Agua Fria à environ 60 km nan l'est capitale Tegucigalpa. C'est ça responsable la police Miguel Martinez Madrid déclaré dimanche là by AFP. Environ 110 000 migrants, pi fo la dan yo se kibin, vénézuélien ak haïtien, traversé pays Honduras depuis commencement année a, sou route pou yo ran yo nan pays États-Unis, d'après chiffre officiel yo. Année passée, c'est seulement 17 590 passages migrants qui étaient enregistrés. Toujours dans Amérique latine, yon juge tribunal supérieur électoral Brésil la TSE by Lord Pulula suspend diffuser yon publicité campagne qui associé Jair Bolsonaro à cannibalisme 3 semaines avant deuxième tour yon élection présidentielle sous gros tension. Sous continent européen, plusieurs bombardements russes frappé ville pays Ukraine Zaporijia dans la nuit samedi pour l'ouvrir dimanche nan, ça qui la cause plusieurs civils victimes. Yon jour après destruction partielle pour Crimea, pays la récité construit après le Tefin Prenzon sa en bayon explosion. L'autre nouvelle, service sécurité RIS FSB dénoncé dimanche nan yon augmentation considérable tir pays Ukraine yo qui visait territoire RIS qui sous frontière entre la Russie ak Ukraine côté pou pipiti yon moun te mouri et puis 5 l'autre te blessé semaine passée. Depuis commencement mois octobre, quantité attaque l'armée ukrainienne nan fait sous territoire frontière pays la Russie yo augmenté en pile, c'est ça FSB a fait konnen nan yon communiqué. Et puis sous continent asiatique, Corée du Nord tire des nouveaux missiles balistiques dans la nuit samedi pour l'ouvrir dimanche nan, quelques aides temps après finissement manœuvre militaire qui était gain là-dedans le porte-avion nucléaire américain tout près péninsule coréenne. Dans santé à cause épidémie Ebola qui gagne dans pays Ouganda, pays États-Unis dit renforcer mes sanitaires yo. En côté Marie Farah Fortuné qui a porté plus de détails pour nous. Pays États-Unis a annoncé jeudi les renforcer procédure contrôle qui imposé à voyageurs qui sorti Ouganda ou face à l'épidémie Ebola qui gagne. À partir vendredi, d'après sa département l'État a fait connaître, tout voyageur qui a entré dans avion dans pays et qui passé Ouganda dans 21 jours doit transiter à travers une 5 aéroports: New York, Newark, Atlanta, Chicago, metro Washington, côté centre prévention ak lutte contre maladie au CDC ak la police frontière a passé contrôle yo. CDC yo, principal agence sanitaire fédérale pays, bayon avertissement concernant Ebola après déclaration le 20 septembre dans état à travers ministère ougandais santé dans district Mubende. OMS recensé mercredi passé 63 cas confirmés mais tout probable Ebola pays Ouganda côté gantan gen 29 monde qui mouri. D'après CDC yo, épidémie ensemble limité à 5 districts centre Ouganda. À date jeudi, pas gen aucun cas suspect probable ou bien confirmé Ebola qui a un rapport à l'épidémie qui rapporté pays États-Unis ou bien dans l'autre pays qui en dehors Ouganda d'après CDC. Aucun vol direct par lié Ouganda à
pays États-Unis. Mais agence sanitaire en fait qu'on est, les crucial pour contrôler tout voyage qui te rendu pays ça pour prévenir propagation maladie. Pays États-Unis t'a instauré strict procédure contrôle dans l'année 2014 après une grave épidémie Ebola en Afrique. Concernant maladie, pays États-Unis dès là-dedans t'es mort.